Bonsoir. On va attendre que l'écran s'allume. Voilà, ok, très bien. Précision, le micro, c'est pour les gens qui sont sur YouTube. Qui sont à distance. Voilà. Du coup, vous m'entendez pas beaucoup plus fort, mais je parle très fort, à ce qui paraît. Non. Il est en mode présentateur, mais je l'ai pas. Merci. C'est l'histoire des trois doigts. C'est l'histoire des trois doigts. Oh mon Dieu. Alors, bienvenue pour notre meet-up de mai qui est donc sur l'UX Design Across Borders. Pourquoi on parle de frontières? On va parler ce soir de frontières géographiques, culturelles, et on va aussi parler de frontières organisationnelles dans les entreprises, entre les métiers. Restez avec nous, ça va être très très intéressant. Merci, bienvenue. Je vais me présenter rapidement. Je suis Stéphanie Embras, manager de l'équipe Luxe Retail, e-commerce, médias et advertising chez UX République. Et je suis aussi UX stratégiste. On intervient en fait dans des entreprises sur des moments un peu plus en amont, sur des missions à la fois UX et gestion de produits. C'est une nouvelle offre du UX République. Voilà. N'hésitez pas à en parler si dans vos entreprises vous avez des enjeux de cadrage, de roadmap, d'alignement entre le business, l'UX. N'hésitez pas à en parler. Comme d'habitude, le hashtag, n'hésitez pas à tweeter, Star du UX. L'enjeu, c'est aussi de montrer l'étendue de la communauté, des sujets qu'on aborde et le dynamisme de l'UX Design en France. Allez-y, tweetez. Ah, le code Wi-Fi, il est... Alors, comme je vous disais, UX République, on est un cabinet de transformation digitale et d'innovation qui est centré utilisateur. On travaille sur les aspects de stratégie, de recherche, du UX design bien sûr, et de technologie. Donc, c'est nos différentes entités. On adresse tous les enjeux aujourd'hui de la transformation digitale avec des consultants qui interviennent majoritairement en régie auprès de nos clients. Ça fait déjà 6 ans qu'on existe. Avec une spécialisation vraiment centrée expérience utilisateur, on est un pure player. On n'a pas commencé il y a 2 ans ou 3 ans à faire de l'UX quand c'est devenu populaire. On a commencé il y a 6 ans, dès le début. On a beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de cas d'usage. Et c'est aussi pour ça qu'on partage avec la communauté tout ce qu'on apprend sur l'UX design et l'intégration de cette démarche centrée utilisateur au sein des entreprises. C'est aussi, bien entendu, 100 collaborateurs et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Et un centre de formation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous former à l'UX design, à la gestion de produits, à l'agilité, on peut vous recevoir au sein de notre centre de formation, qui est un centre de formation agréé, bien entendu. Notre expertise, elle est aussi présente dans 3 régions clés, donc Paris, Bordeaux et Aix-Marseille. On commence à développer très fortement nos activités en région. C'est aussi important pour nous d'être excusez-moi, d'être implantés sur tout le territoire pour pouvoir adresser et diffuser aussi nos convictions autour de l'UX design en France. On recrute. Alors n'hésitez pas à venir me voir, à aller voir toutes les personnes du UX République. On a un petit badge, smiley face, parce qu'on est toujours joyeux et toujours content de parler avec vous. On recrute dans les 3 régions, on recrute des UX designers, des product owners et des développeurs. N'hésitez pas à postuler. Vous avez aussi des petits cartons à l'entrée où vous pouvez prendre contact avec nous et on aura plaisir à vous recontacter et à échanger avec vous.
On commence avec une petite veille, c'est ce qu'on a remarqué ou ce qui a interpellé dans l'équipe et au sein du X République ces derniers temps. C'est parti. Android a annoncé, enfin Google a annoncé à la dernière Google I.O. qu'il serait désormais possible de payer ses applications Android avec de l'argent liquide. L'enjeu pour la plateforme Android, en fait, c'est de pouvoir venir challenger iOS. On a beau avoir toute une partie de la population qui, globalement, on a plus d'utilisateurs Android que d'utilisateurs iOS. Et pourtant, le store iOS, aujourd'hui, continue de faire plus de revenus, de générer plus de revenus pour les développeurs que le store Android. Du coup, c'est aussi une manière d'aller adresser de nouveaux marchés, notamment les marchés émergents, en proposant le paiement en liquide d'applications. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est une fonctionnalité qui permet en fait aux utilisateurs de payer plus tard. Donc ça fait des transactions en attente et la société a du coup annoncé ce lancement de cette fonctionnalité justement pour aller adresser ces nouveaux marchés. C'est assez intéressant. Du coup, on va avoir diverses solutions pour payer soit sur la facture opérateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a connu, nous, il y a quelques années, où on pouvait souscrire à des services et ensuite être facturé directement sur sa facture Orange, SFR ou Bouygues. C'est quelque chose qui est très fort dans les pays émergents. On a aussi l'acceptation de différents e-wallets, notamment en Inde. Et on a, cette nouvelle possibilité qui est le fait d'aller chez un commerçant à proximité pour payer en liquide. Ils vont donner un code, vous allez chez votre commerçant, vous donnez le code, vous payez en liquide et vous avez acheté votre application. Ça va aussi dans la logique de Google de rendre ses services accessibles vraiment worldwide. Donc c'est de développer l'accès à Internet, l'accès à des services, sans chercher à calquer son modèle occidental, mais bien en prenant en compte les contraintes qu'il peut y avoir dans les pays, comme dans les pays émergents, où on va avoir un développement, un réseau bancaire qui est beaucoup moins développé que dans les pays occidentaux. Vous l'avez peut-être vu, mais Instagram est en train de tester le fait de ne plus afficher les likes sur les publications. L'enjeu pour Instagram, c'est de dire que ça a développé quelque chose qui n'était pas très sain auprès des créateurs de contenu et des utilisateurs de la plateforme, où on est obsédé par les likes et où même on est influencé dans notre manière de consommer le contenu et d'apprécier la qualité d'un contenu en fonction du nombre de likes qu'il va recevoir. Du coup, ils sont en train de tester ça au Canada et en fait, ça s'inscrit dans un mouvement global des gens qui travaillent dans la tech et plus précisément sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de se rendre compte qu'on n'a pas été très bon et très responsable dans la manière de concevoir ces plateformes et que ça a développé tout un tas de comportements qui ne sont pas toujours très acceptables. Et du coup, ils sont en train de se dire « Ah, bah, peut-être qu'on a une responsabilité sociale à ne pas permettre ce genre de comportement. » Et du coup, c'est pour ça qu'ils testent cette fonctionnalité. On pourra toujours liker, ils ne seront juste pas affichés. Voilà. Et ça va aussi dans le sens de prise de parole, notamment de gens de chez Twitter et de chez Netflix et de chez Facebook qui se sont exprimés, qui viennent du monde du design et qui ont fait un gros mea culpa en disant on a sorti des fonctionnalités et des expériences qui n'étaient pas toujours vertueuses. Ça, c'est un chiffre. Numéro 1, Google et surtout avec sa maison mère Alphabet a reçu la première autorisation pour des vols de drones, de la livraison par drone dans l'univers commercial. Donc on va bientôt pouvoir commander un burrito aux États-Unis et se faire livrer par un drone. Ça a été accepté en fait par la FAA, qui est en fait la fédération de l'aviation américaine, et c'est la première certification du pays pour tout ce qui est vols commerciaux de drones et de biens. L'enjeu pour eux, bah, forcément, c'est le dernier kilomètre. C'est un sujet qui est passionnant,
qui est une vraie contrainte pour les gens qui font de la livraison. Ça coûte énormément d'argent et même d'un point de vue environnemental, c'est très compliqué en fait de refaire des livraisons. Donc il y a un véritable enjeu à développer ce type de livraison. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais on a Meilleurs Agents qui propose désormais dans son application mobile en fait de la réalité augmentée pour en fait voir les prix d'achat et les prix de vente des appartements. Je vous invite à le tester et ça repose en fait aussi sur l'ouverture en fait en open data de données liées à l'immobilier par l'État. Donc c'est toute une démarche que l'État a en ce moment, l'État français a en ce moment, de développer toute la partie open data, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur immobilier, pour libéraliser les entreprises sur les secteurs digitaux. Donc en fait, on va se connecter, on va accéder à ces données au moyen d'API et de bases de données, et tous les acteurs digitaux ont la possibilité d'aller chercher ces informations. Et Meilleurs Agents, bah, ils ont récupéré ces infos et ils permettent de faire de la réalité augmentée. On a une question. Alors, pardon, je le précise pour les gens qui sont à distance. Est-ce que ça devrait être confidentiel? C'est des données qui sont dans tous les cas disponibles auprès de, au niveau du cadastre et de l'État. Donc, en fait, il n'y a pas de sujet en termes de confidentialité d'information parce qu'on ne donne pas d'informations nominatives sur les gens qui y habitent. C'est vraiment dans la même logique qu'on voulait encadrer les loyers, c'est pour donner une indication aux utilisateurs sur les prix de vente. 399, c'est le prix du nouveau Pixel A. 399 €. Et c'est pourquoi c'est une information intéressante, c'est parce que le secteur des ventes de smartphones enregistre un gros recul mondial. Et c'est un petit peu la faute des Apple, des Samsung qui vendent des téléphones à plus de 1 000 €. Et ça a concrètement refroidi les utilisateurs en termes de remplacement de device. Et là, Google est en train de prendre le contre-pied. Ça va aussi dans le sens de toute une démarche de recherche technologique chez Google, où en fait, ils essayent de gérer un maximum de choses en termes d'évolution fonctionnelle du côté software et non plus que du côté hardware. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire des montées de versions qui sont uniquement liées au device, on commence à pouvoir faire des montées de versions vraiment différenciantes grâce à la partie software et notamment au machine learning. Et l'avant-dernière information, pardon, pas de spoiler. Je vais vous parler de Game of Thrones. Et c'est l'opportunité pour vous de briller en société ou à la machine à café. Vous avez très certainement vu un épisode, je ne dirai pas lequel, de la dernière saison dans laquelle vous n'avez rien vu. Il y a un article très intéressant que je vous recommande sur TechCrunch qui explique pourquoi vous n'avez rien vu, même si vous avez une super télé. D'ailleurs, peut-être que c'était pire justement à cause de la qualité de votre télé. Deux informations qu'il faut retenir. La raison pour laquelle vous n'avez rien vu, c'est la compression qui est utilisée en fait pour pouvoir envoyer des fichiers vidéo. Parce que pour un épisode de cette qualité, en fait, il faudrait pouvoir gérer énormément d'informations pixel par pixel pour pouvoir les envoyer aux différentes plateformes, notamment par exemple OCS, HBO et les autres. Et malheureusement, on est obligé de passer par de la compression avec des codecs. Si vous avez téléchargé plus ou moins légalement dans votre vie, vous savez ce qu'est un codec. Et la deuxième raison, c'est aussi la couleur de l'hiver. En fait, quand on compresse une vidéo, du coup, ce qui va se passer, c'est que le codec est capable en fait de décrire une couleur avec des mots. On va simplifier comme ça. Il va dire que c'est plus ou moins, c'est du bleu plus ou moins foncé. Donc, comme l'enjeu, c'est que ce soit moins lourd, forcément, on va limiter le nombre de mots. Ce qui fait que la couleur de l'hiver, c'était très, très sombre et c'était plutôt bleu. Et on n'a pas 1 milliard de mots pour décrire, en fait, des bleus. Donc, chaque fois qu'on se retrouve sur des images qui ont des couleurs relativement similaires, on va avoir ce phénomène où on va avoir des grosses bandes et on ne va plus pouvoir rien voir. Je vous invite
à lire l'article. Il est en anglais, mais il explique bien mieux que moi la raison pour laquelle vous n'avez pas vu grand-chose dans cet épisode. Et c'est assez intéressant. Et vous l'avez peut-être vu, mais sur Twitter, les internautes n'étaient pas très contents. En Blu-ray, ce sera mieux. Voilà, c'est la seule solution. Ce n'est pas la qualité de votre télé. Ce n'est pas ça qui a déterminé les choses. Dernier chiffre, 500 000, c'est le nombre de tonnes de CO2 qu'on pourrait éviter en termes de déchets numériques si sur YouTube, on n'affichait pas en fait, la vidéo lorsque en fait, les utilisateurs ne font que streamer pour écouter de la musique. Et ça, en fait, la plateforme pourrait le détecter. Et du coup, à partir du moment où on ne consulte pas une vidéo, mais juste on écoute, et bah on pourrait éviter en fait tous ces déchets numériques qui sont liés à un usage qui est quand même très particulier, qui est le fait d'écouter de la musique sur YouTube. Et ça a été découvert par des chercheurs anglais. Et la dernière information, petite information insolite avec l'un de mes gifs animés préférés. C'est que le marketing n'est pas mort. Je sais, on a probablement beaucoup de designers dans la salle, de designers, de product owners, de développeurs. On ne croit pas toujours trop au marketing et pourtant, ce n'est pas mort. On a un ancien directeur de la création de Netflix qui a réussi à lever 1,6 million de dollars avec de l'eau en canette. Ça ressemble à ça. Et voilà, je vous laisse juger du bon goût de cette trouvaille. Voilà. Mais ça marche plutôt bien. Il a réussi à lever de l'argent. Et il avait réussi à lever de l'argent auprès de ses anciens collègues de la tech. Donc voilà, ça m'a un petit peu interpellée comme nouvelle. Aujourd'hui, je vous propose donc deux interventions, celle de Julien Daniel qui est UX designer chez Chanel. Il va vous parler du UX design, de comment on arrive à se projeter quand on doit définir une expérience pour un utilisateur qui est très loin de sa propre culture, comment on évite les préjugés et comment on arrive à faire une expérience à la hauteur des enjeux. Et puis on va aussi avoir Léo Fuster et Clément Berger qui sont tous les deux chez France Télévisions et qui vont vous parler d'agilité, d'outils qui changent la vie pour les designers et de l'intégration des designers dans une équipe agile. C'est passionnant, je vous laisse, j'ai beaucoup parlé, merci. Et bien entendu, parce que j'ai oublié, on se retrouve après pour une pizza, que moi je vais peut-être commencer à manger maintenant, et pour discuter de vos impressions, de vos aspirations professionnelles, de tout ce que vous voulez. Merci. Et si je mets mon mode S, il va pas le mettre. Ça. Je veux ça. Je le cache. Je le mets là. Je reviens sur mon truc. Et on est. Je reviens sur mon écran. Putain, ça. Et on est bon. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Daniel, je travaille pour UX République. Je suis détaché spécifiquement en mission chez Chanel, les produits de beauté, le luxe, etc. Je vais vous parler ce soir de l'expérience utilisateur de manière générale dans le monde, mais aussi du point de vue de l'internaute arabophone. Alors pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce que l'idée de ce talk, il est venu par rapport à une mission que j'ai effectuée chez Chanel. Où en fait Chanel est venu me demander de travailler et d'étudier spécifiquement l'internaute arabophone. Premier réflexe, wow, slow down, cowboy, je ne suis absolument pas ni familier avec la culture arabophone, je suis un paysan breton, ou une paysanne bretonne, bref.
Je n'ai absolument pas grandi dans un pays arabe, je ne connais pas grand-chose, j'ai quelques amis, mais bon, ça ne suffit pas à représenter véritablement toutes les cultures des pays arabophones. Voilà. Mais force est de constater que cette première fois à appréhender les cultures arabes vous ouvre quand même de nombreuses perspectives pour toutes les problématiques que tout bon designer peut se poser. Et j'espère que vous aurez un jour à cœur de travailler également sur un sujet similaire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, le matin, quand j'arrive, premier réflexe, j'ouvre mon ordinateur et je commence à faire de la veille sur Medium, le site américain. Et sur Medium, c'est super intéressant, vous avez énormément de contenu, d'articles rédigés par des pairs, des confrères et des consoeurs américains et américaines. De temps en temps aussi des écrivains du Royaume-Uni, des hindous. Mais force est de constater en fait que finalement, toute cette information, tous ces articles que vous pouvez trouver, ils viennent majoritairement de certaines régions spécifiques. Et quand vous arrivez sur des sujets comme le Moyen-Orient, c'est un peu la croix et la bannière pour trouver quelque chose. Quand vous avez des analytics, ça ne suffit pas non plus à concevoir une expérience globale. Et du coup, il faut pourtant avoir assez d'input pour pouvoir vous poser les bonnes questions dès le début. Alors pourquoi on ne trouve pas assez d'informations sur ces pays-là? Eh bien, il y a une première explication. Et forcément, je clique, ça ne marche pas. Et c'est bon, je clique et ça marche. Il y a une première explication, c'est sur l'accès d'Internet dans le monde. On remarque clairement sur ce planisphère que vous avez deux états, deux hémisphères. L'hémisphère nord, avec les pays clairement développés, les pays historiquement en tout cas, en bleu, qui ont un accès à Internet qui est important, et l'hémisphère sud, qui est très disparate, avec cette mosaïque de couleurs où vous avez du jaune pour les pays asiatiques en général, le Moyen-Orient, la région est assez colorée également, et pas le mauvais élève, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas, le continent qui n'est absolument pas représenté, c'est l'Afrique, à savoir que pour les pays en noir, c'est de l'ordre de 0 à 10% d'utilisation. Donc sur tout un pays, vous avez seulement de 0 à 10% d'utilisateurs pour Internet. Une statistique, le Qatar, c'est 2,6 millions d'habitants, et pourtant c'est plus de 2 millions d'utilisateurs Internet, ce qui est énorme. À titre de comparaison, la France, c'est 80,5%. Donc, en fait, en arrivant à ce constat, on constate que dans le top de ce classement, avec Israël, Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, les pays asiatiques, il y a beaucoup d'utilisateurs d'Internet, mais très très peu de connaissances. Et en fait, ça se constate également d'un point de vue business. À l'heure actuelle, les entreprises tech, elles ont privilégié une connaissance occidentale pour développer leur réseau Internet, leurs interfaces, leurs outils, et cette production, elle a favorisé leur business. Mais pour éviter d'arriver à un effet de maturité, et pour certains, dans l'optique de toujours rester leader, ces entreprises se sont lancées à la conquête de l'Orient depuis maintenant une dizaine d'années avec la Chine, et maintenant, de plus en plus, et seulement maintenant en 2019, avec les pays du Proche et du Moyen-Orient. Du coup, pour ce talk, je l'appréhende avec deux problématiques que je trouvais intéressantes. La première, c'est qu'avec tout ce business et tout cet intérêt que portent les marques à ces régions, on peut se demander si elles sont prêtes à envisager une expérience utilisateur à part entière ou si elles veulent simplement prendre leur site internet, copier-coller, et on lance. Ça ne marche pas. La deuxième problématique, c'est que loin de toute influence personnelle, est-ce que moi, utilisateur breton, je suis prêt à designer une interface complètement arabe, bretonne aussi, ceci dit. Du coup, ce sera aussi le sujet de ce talk, et c'est d'ailleurs le premier sujet que je vais évoquer, en parlant de l'aspect multiculturel des utilisateurs. Alors, on va commencer à parler avec un peu de neurologie. Vous êtes venu pour ça, je parie. Selon les logiciens, il y a Jacques Dubux et Sylvain Moutier, en fait, ces professeurs scientifiques sont arrivés, en fait, dans leurs constats et dans leurs études, à deux constats. Le premier, c'est que nous ne pensons absolument pas de la même façon. Mais deuxièmement, en fait, chaque culture a une façon logique de penser, façon logique qu'on peut grouper, grosso modo, en deux groupes. On a une logique holistique et une logique analytique. La logique holistique, c'est quoi? C'est une logique qu'on associe généralement à des gens qui habitent les cultures, qui habitent les pays d'Orient et d'Asie. Et en fait, cette logique, elle permet de considérer une expérience dans sa globalité avant de se faire une opinion, globalement,
pour faire du concret. Un utilisateur avec une logique holistique, lorsqu'il arrive sur un site internet, il va d'abord se faire une idée générale de l'endroit où il est avant de pouvoir analyser ce qu'il cherche spécifiquement. À l'inverse, la logique analytique, pour les utilisateurs majoritairement dans les pays occidentaux, cherche à se concentrer sur des éléments d'information individuelle. En gros, votre utilisateur arrive sur une page web, il cherchera tout de suite et d'office l'information qu'il est venu chercher. Il ne cherchera pas forcément à chercher plus qu'autre chose. Donc on constate qu'il n'y a pas de pensée universelle et que chaque logique implique un sens qui peut grandement influencer tout votre travail, les user flows, etc. et qui peut aussi être source de confusion pour d'autres utilisateurs. D'un point de vue psychologique, en fait, bon, je vais vous épargner toutes les études aussi que j'ai pu lire à ce sujet, mais la conclusion que je m'en suis faite, c'est que la construction psychologique d'une personne, c'est le fruit d'une évolution au fil du temps, une évolution qui lui est propre. Ça dépend de plein de critères, ça dépend de l'endroit où vous avez pu vivre, ça dépend de la manière dont vous avez été éduqué aussi. Ça dépend de la génétique, ça dépend de la frustration, ça dépend de vos réussites, ça dépend de vos échecs. Ça dépend d'énormément de paramètres qui fait que nous, moi, Julien, vous, vous êtes des êtres pluriculturel. En fait, en tant que designer, votre éducation, elle affecte votre pratique du design et il faut prendre conscience de cela dès maintenant. Il y a un exemple simple à faire, c'est par exemple lorsqu'en France, on se marie en blanc, en Chine, traditionnellement, on se marie en rouge. Voilà, c'est deux façons de concevoir des faits de société. Bon, je vais pas aborder la psychologie des couleurs, il y en aurait plein à dire, mais voilà. Et vous allez me dire, et l'expérience utilisateur dans tout ça ? L'expérience utilisateur, c'est avant tout cette valeur qu'on traduit par son utilité, son utilisabilité, le fait de trouver rapidement ce qu'on cherche, la crédibilité, la désirabilité et l'accessibilité. Et ben, y a un designer hindou, Samir Dash, de son petit nom, qui lui irait plus loin dans cette approche du X et qui recommanderait à tous en fait, de concevoir un huitième concept qui serait la socioculturalité. Pour que votre interface soit complètement 100% compliante avec votre utilisateur, votre interface et votre site, votre marque, votre produit, etc., doit prendre en compte l'univers dans lequel c'est amené à évoluer. Alors on voit donc, créer des interfaces, c'est spécifique à chaque culture et ça dépasse bien plus que la traduction. En fait, concevoir une expérience utilisateur, c'est d'abord s'adapter à son public et finalement, c'est designer et faire des nuances d'expérience. En fait, c'est naïf de concevoir et de penser avec nos biais culturels lorsqu'on est designer et qu'on souhaite appréhender cela. Et quand il s'agit de réfléchir pour autrui, il faut vraiment partir sur des nouvelles bases. Nos propres préjugés influent forcément sur nos préférences de conception visuelle, sur nos couleurs, sur les symboles que vous pouvez utiliser, etc. Et tous les aspects de la conception d'une interface sont grandement touchés. En voici une preuve avec de l'eye tracking. Est-ce que vous connaissez l'eye tracking ? Oui. Bien. Alors à gauche, vous avez, donc c'est le site Dell qui a été analysé par le studio Oban International. Une même interface en trois langues. À gauche, le Japon. Au milieu, le Royaume-Uni. À droite, le Canada. Et en fait, avec cet eye tracking, Dell a voulu montrer que chaque personne, chaque culture, chaque être lit une page internet différemment. L'internaute japonais aura tendance à lire une page entière de droite à gauche et lire plusieurs fois le contenu avant de s'arrêter sur ce sur quoi il est venu. On est dans une logique holistique. Au milieu, les utilisateurs britanniques, ils s'intéressent davantage au contenu qu'au reste de la page. Donc vous voyez, il y a des mouvements de va-et-vient de droite à gauche qui fait qu'ils s'intéressent d'ailleurs assez peu au header. On est dans une logique analytique. À droite, les utilisateurs canadiens accordent plus d'attention à l'aérobanner. On est dans une logique holistique. Non, analytique, toujours. Mais merci. Un autre exemple avec Coca-Cola. J'ai pris cet exemple comme j'aurais pu prendre McDo, etc. Coca-Cola, France, États-Unis, Chine. Le premier réflexe quand on voit la page chinoise, sans jugement de valeur, hein, c'est qu'on peut se dire « Waouh, c'est confus, il y a beaucoup d'informations, etc. » Bah ça, c'est avant de savoir qu'en fait, la plupart des cultures asiatiques misent sur la quantité d'informations plus que sur la livraison d'un message, comme c'est le cas, par exemple, pour le site français. Clairement, lorsqu'on compare les deux versions, on venait clairement plus sur un site expérientiel, lorsque sur la Chine, on est sur un contenu plus informatif.
Voilà. Donc toutes ces spécificités culturelles, en fait, ce sont autant de modèles mentaux, et on peut comparer cela à un algorithme. En fait, nous, humains, on est tous des algorithmes différents. Nous, on a une conscience, on a une logique, une habitude, qui nous empêche ou nous fait accepter plus ou moins l'appréhension d'un service ou d'un produit. Donc en cela, tout designer doit prendre conscience que ses partis pris culturels peuvent l'empêcher de concevoir un service destiné à une cible internationale. Et alors vous allez me dire, mais Julien, t'es vachement fataliste. Eh ben non, il y a des solutions, il y a des remarques. La première, c'est la sensibilisation et la question de la sensibilisation. Quand vous commencez à travailler sur un projet comme ça, il s'agit d'évangéliser, que ce soit vous, mais aussi votre équipe, sur le fait de prendre conscience de ces différences. Et ça, c'est déjà faire un pas pour trouver des solutions. Deuxièmement, c'est l'information cognitive. En fait, on peut appréhender cette information cognitive en amont d'un projet de multiculturalisation. Votre cible, est-ce qu'elle est plutôt sur une logique analytique? Est-ce qu'elle est plutôt portée sur une attention globale? Voilà. Vous allez chercher en fait à vous créer de l'input en essayant de comprendre cette logique mentale. Ne traduisez pas, ou peu, ça ne marchera pas, d'expérience. Adaptez-vous à votre cible, c'est le mot-clé, s'adapter. Les références culturelles, les spécificités de langage, les pratiques, la simple traduction ne suffit pas. Un exemple, moi, lorsque je conçois une interface, par exemple, une maquette, voilà, je conçois toujours dans la langue à laquelle elle est destinée, mais je prévois aussi en russe. Pourquoi le russe? Parce que, en fait, les mots russes sont beaucoup plus longs. Faites l'essai lorsque vous ferez une navigation, par exemple, vous dites, bon, bah, là, je fais homme, femme, il y aura la place, ce sera joli. Bah non, essayez avec des mots russes. C'est déformé, sans changement de valeur. Dès que possible, enfin, testez. Ne restez pas sur vos a priori et ne testez aussi de préférence pas avec vos collègues parce qu'ils auront beau être d'origine arabe ou d'origine asiatique ou d'origine vietnamienne ou etc. Ils auront des similitudes sûrement avec votre culture, donc n'hésitez pas à les tester là-bas. Donc en fait, votre UX, ça doit être un peu comme un menu McDonald's selon le pays où vous êtes. Votre site, votre produit, etc. doit être ajusté en fonction des goûts des locaux. Sinon, comment espérez-vous prospérer par rapport à ça? Et justement, en parlant d'adaptation, on va regarder un peu plus près maintenant sur l'expérience utilisateur arabophone en tant que telle. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu l'opportunité de travailler sur un projet à destination des pays arabophones? Tu lèves même pas la main, Léo. Ouais, c'est ça. C'est bien, donc je parle surtout à des gens qui ne... Bon, bah désolé, vous allez peut-être découvrir des choses, mais pour le reste, vous allez découvrir pas mal de choses et le monde merveilleux de l'expérience utilisateur arabophone. Alors d'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est que le Moyen-Orient? Le Moyen-Orient, c'est une expression, c'est une invention de l'univers occidental. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. C'est qu'en fait, le Moyen-Orient, c'est une expression assez vague, assez globale, qui regroupe, en fait, non pas une région, mais des régions qu'on regroupe sous une appellation qui est le Moyen-Orient. En réalité, le Moyen-Orient s'est découpé en plusieurs Orients. Vous avez le Proche-Orient, Palestine, Jordanie, Irak, Israël, Syrie, Turquie, Liban. Vous avez la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Oman, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït. Et l'Égypte, qui est aussi la vallée du Nil et qui est aussi rattachée à cette région-là. Selon les cultures, selon les diplomaties, selon les business également, vous allez voir qu'il y a des différences par rapport aux gens. Par exemple, les États-Unis considèrent que le Maghreb, comme la Libye, comme la Tunisie, le Maghreb quoi, fait partie du Moyen-Orient. Un exemple, d'un point de vue business maintenant, en marketing, il est intéressant de constater que H&M, on observe qu'avec eux, l'Égypte et le Maroc sont complètement exclus du Moyen-Orient. C'est ça, voilà, vous avez juste le Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Alors que chez Saint-Laurent, c'est encore mieux, le Middle East n'existe pas, tout juste si les Émirats Arabes Unis sont associés au continent asiatique. La culture arabophone, c'est évidemment la langue. Et en fait, l'arabe, c'est une culture qui est aussi très intéressante pour ça, parce qu'au Moyen-Orient, on parle plusieurs langues. On parle le persan, on parle le turc, on parle le kurde, on parle l'hébreu et on parle des arabes. Faut savoir qu'on peut, de façon très schématique, réduire à trois
arabes, l'arabe dialectal, l'arabe classique et l'arabe coranique. D'abord, l'arabe dialectal. En fait, on compte une trentaine d'accents et de subtilités qui sont composés dans un seul et même pays. Par exemple, en Égypte, vous aurez plusieurs différences d'arabe et plusieurs accents arabes, en Algérie, etc. Vous avez l'arabe classique, qui est en fait un arabe éloquent ou classique, qui est enseigné à tous dans le système scolaire et qui fait que tous les internautes et tous les spectateurs arabophones se comprennent. Et l'arabe coranique, qui est utilisé dans le Coran. L'utilisation de l'arabe en fait en contexte, ça donne quoi? Ça donne qu'un utilisateur, enfin une personne arabe, parlera surtout le dialecte en famille ou entre intimes. Elle lira les journaux en arabe classique. Et voilà. L'arabe littéraire, donc, c'est 25 pays, c'est plus de 500 millions de personnes, c'est une langue RTL, c'est pas la radio, c'est bien le sens de lecture, right to left, de droite à gauche. Et c'est de la même façon en écriture, on écrit de droite à gauche. Alors pourquoi c'est de droite à gauche? Ou vous allez peut-être pas me le dire d'ailleurs. Pour l'anecdote, on pourrait raconter de ce dimanche en famille, en fait c'est une tradition héritée des scribes égyptiens qui écrivaient sur leur papyrus avec la main droite et de droite à gauche pendant qu'ils tenaient de la main gauche le papyrus. Voilà. Ça vous a passionné. D'ailleurs, les utilisateurs arabophones, d'après les quelques stats que j'ai trouvés, ils sont majoritairement droitiers. Cas particulier sur l'anglais, faut savoir que sur certains sites internet, vous trouverez également de l'anglais, c'est le cas de Chanel par exemple. En moyenne, d'après ce que j'ai trouvé, mais je suis absolument pas sûr, ça prend avec des pincettes, une personne sur deux parlerait anglais dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. L'anglais est néanmoins utilisé dans un contexte professionnel et ou touristique, mais ça dépend des milieux sociaux professionnels, à ce que j'ai cru comprendre, et bon, moi je dirais l'anglais, ça peut être plutôt réservé à une élite, donc faites attention avec cet usage-là. La typographie, la longueur des mots, les mots arabes sont quand même beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, donc quand vous concevez une interface, n'hésitez pas à grandir de plusieurs points une typographie arabe. Et toujours aligner son texte à droite. Alors on ne va pas se mentir, du point de vue de l'iconographie, les pays du Moyen-Orient, c'est souvent la risée du web, avec des montages qu'on ne connaît nulle part ailleurs et qui en fait permettent aux marques de s'aligner et de se conformer aux lois morales et religieuses des pays. En voici l'exemple avec Intex qui vend ses piscines en rhabillant monsieur et les enfants et en faisant disparaître madame, sans jugement de valeur toujours. Pour Ikea, ça a été un scandale il y a quelques années. Ils avaient carrément enlevé Madame. Bon, voilà. Et pour les artistes, ça c'est pareil, on en trouve plein des pochettes sur Internet. Madonna se fait rhabiller et Katy Perry se fait en nuagée. Voilà, pas de jugement d'ailleurs. Donc l'iconographie, il faut être conscient qu'il y a une censure, qu'il y a aussi le vote de certaines lois qui peuvent impacter votre travail de photographe, de créateur, etc. Et il faut être conscient de ça. Les couleurs également, c'est un point de vigilance, comme je le disais tout à l'heure, le rouge, le blanc, souvenez. Et bien là c'est pareil, le rouge c'est une couleur qu'on utilise avec parcimonie dans le Moyen-Orient parce que ça évoque le diable. Le jaune c'est une couleur joyeuse, associée à la prospérité. Et le vert enfin, couleur qui représente la religion de l'islam. Et la plupart des pays arabes l'associent aussi également à une couleur de paix, de reddition, de spiritualité, de générosité divine. Lorsque chez nous, traditionnellement, enfin quand je dis chez nous, c'est dans une culture occidentale, surtout chrétienne, c'est plutôt le violet qui est utilisé. Donc ça ne vous empêche pas que vous pouvez utiliser le rouge, le jaune et le vert, etc. Mais faites attention aussi si vous délivrez une certaine information. Les pictogrammes. Les pictogrammes sont concernés par le sens de lecture et par l'inversion qu'on va voir juste après. Certains icônes, néanmoins, ne le sont pas. Commençons d'abord avec ceux qui sont concernés par une inversion. En fait, toutes les icônes indiquant une direction, un mouvement, que ce soit par exemple des flèches, que ce soit la sortie exit, toutes ces icônes, elles indiquent une direction, on les inverse. Les icônes qui représentent du texte, une bulle de conversation, une liste numérotée, on les inverse. Les icônes de volume également, on les inverse. On n'inverse pas certains objets physiques, et notamment ceux utilisés avec la main droite. Les icônes barrées également ne changent pas. Les icônes temporelles, que ce soit l'horloge, que ce soit annuler, rétablir, l'actualisation, et les emojis restent tels quels. Il faut en plus, quand vous regardez et vous portez attention aux détails des pictogrammes, vérifier à ce qu'ils soient dans le bon sens et bien placés correctement. On va voir si du coup vous avez été attentif. On va faire un petit jeu.
Inversé ou pas inversé? C'est correct. Celle-là, elle était facile. Effectivement, il y a du texte, on inverse. Inversé ou pas inversé? Ah, il y a déjà un peu plus de débat. Alors justement, ça montre une direction, donc il faut inverser. Ah ouais, c'est subtil. Inversé ou pas inversé? Bah faux. En fait, c'est un objet physique, mais pour le coup, qui indique un état, donc il faut l'inverser. Faites l'essai lorsque vous passez votre iPhone, et votre OS, pardon, en langue arabe, bah, vous allez voir, c'est le cas. Inversé ou pas inversé? Je sens que c'est... C'est ça, on n'inverse pas. Ça reste tel quel. Et enfin, inversé ou pas inversé? Caché. On peut cacher, effectivement. La logique, enfin en tout cas la mienne pour cette conception-là, ça a été de dire on n'inverse pas parce que c'est une vidéo et qu'on n'inverse pas l'image d'une vidéo. Ça reste dans ce sens-là. Moi j'ai une question. Oui. Par exemple, si un youtubeur du Moyen-Orient, il fait une vidéo et il montre des publicités, par exemple, donc en gros, lui aussi doit inverser. C'est-à-dire ou alors on abordera ce sujet juste après pour les questions, d'accord? Les animations maintenant. Alors c'est pareil. Les animations sont inversées, donc l'utilisateur arabe aura tendance, pour switcher à la slide suivante, à cliquer sur la gauche. Ce qui bien que vos points, ils seront inversés. On est sur 1, 2, 3. Donc faites attention également à cette subtilité-là. Voilà un mauvais exemple de la part d'Adidas. Lorsque vous cliquez là, vous avez l'animation qui part dans l'autre sens. Et en plus, les points, eh ben, ils ne sont pas dans le bon sens. Et résultat, lorsque vous êtes sur le 1 pour l'utilisateur arabe, eh ben, toujours pour l'utilisateur arabe, on passe au point 5. There is no logic. Bon, anyway. Que vous écoutiez de la musique, que vous regardiez une vidéo, tant qu'il y a une barre de progression, on n'inverse pas, on reste ici. On reste sur le sens que l'on connaît tous. À noter, Eurosport a fait une erreur, ils n'ont pas inversé le picto volume. Les formulaires, je vais accélérer, je vois que le temps défile. Les formulaires changent également et les libellés doivent rester et s'aligner à droite. Toutes les icônes pour la suppression de field, etc. restent à gauche. Là en bas, vous avez un exemple qui sera peut-être pas voyant pour les gens au fond, désolé, sur la création d'un mot de passe. Donc vous voyez que je fais un tug, hop, on aligne à droite. Quand vous créez un mot de passe, vous savez, vous avez tendance à avoir des mots, une aide en disant votre mot de passe est suffisamment complexe, il n'est pas assez, etc. Et ben là, du coup, ce sera d'abord cette barre, puis ensuite cette barre, puis ensuite cette barre. On inverse, toujours. C'est ça. D'abord orange, ensuite vert, et ensuite ultra vert, ou je ne sais plus, un truc comme ça. Pareil pour les call to action, on les inverse. Donc vous avez d'abord votre champ, et ensuite le call to action. Ça, c'est pour faire joli que j'ai mis ça. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le concret? Et là, vous lisez Wikipédia. J'ai pris à tout hasard, Romain, une page internet comme ça. Bon, bah, c'était sur la Bretagne, c'était un hasard. La page Wikipédia, bah, vous connaissez Wikipédia en général, j'ose espérer. Du coup, on est sur une interface typiquement arabophone avec le logo qui est switché à droite, la navigation à droite également, les langues à droite, les informations de détail et sur l'information concernée sont placés à gauche, tout est aligné à droite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour Marie-Claire, un autre exemple de contenu éditorial, pareil, tout le contenu est aligné à droite. Le sens de lecture, à droite. Et on est dans un sens de lecture d'ailleurs en F inversé. Ça c'est pour l'anecdote. Pareil, si j'aime... Alors, c'est-à-dire que sur un site éditorial, en général, on parle sur les études qui ont été réalisées, on constate que les utilisateurs sont plutôt dans une logique de F. C'est-à-dire que d'abord, ils regardent le titre, ensuite, ils regardent le contenu, etc. Et voilà, de façon très succincte. Eh bien, l'utilisateur arabophone aura tendance, du coup, à inverser. D'abord, le titre comme ça, ensuite comme ça, etc. Bon, c'est plus une question de détail. Pareil, quand vous faites par exemple que ce soit ici le pas en savoir plus mais en lire plus, en lire davantage, ou quand vous faites une bande dessinée, comme dans les mangas, la première information à lire, c'est celle qui est la plus à droite, et la dernière la plus à gauche. Noon, alors ça c'est un site marchand e-commerce, d'ailleurs si vous devez travailler sur une interface arabophone, je vous recommande Noon, c'est un site marocain et j'ai tout copié, il est super bien pour ça. Vous avez donc le système de filtres qui est placé à droite. Tous les filtres sont alignés à droite. Vous avez les chiffres des filtres à gauche, des libellés
à droite, tout est bien. On commence d'abord par lire l'information en tombant, je vais y arriver, sur votre vie, alors sur les filtres, ensuite vous arrivez sur vos visuels, vous pouvez analyser avec le call to action ensuite et redescendre. Là on est plutôt sur une logique de Z inversé. Voilà, tout inversé quoi. Des oui. Drop-down, oui. Alors les icônes des drop-downs ici. Oui. Oui, mais ça dépend de chaque interface. Pour une interface, par exemple, pour un site français, ce serait exactement la même chose. Certains décideraient de placer l'icône à gauche. Donc vous aurez votre icône et puis trier. Comme certains diront trier et mettront le picto à gauche. Non, à l'intérieur du champ, la flèche qui dit que c'est. Ah ça? Ah mais il ne faut pas l'inverser dans le sens et le mettre vers le haut. Ah non mais c'est ce que je dis. Là, alors justement là c'est ce que je dis, c'est que ça dépend en fait tout simplement de la volonté du designer. Sur certains sites par exemple en France, vous aurez votre petit picto ici avec marqué trier à droite. Alors que sur d'autres sites français toujours, bah, vous aurez l'inverse. Là c'est simplement la volonté du designer de placer ça comme ça. Juste pour revenir en arrière, faut aller dans quel sens du coup ? Alors pour revenir en arrière, il faut cliquer à droite. Vous voyez, c'est pas évident. Il faut cliquer à droite. Tac. Je termine avec HM. Donc là, c'est sûrement à ce niveau-là qu'on se rend compte que l'interface, elle est complètement complètement changée. On commence d'abord par lire les vignettes et les visuels. Ensuite le visuel et après seulement les informations de détail à gauche avec les tailles, etc. Voilà. Ah oui, le menu de navigation également, ça c'était un sujet intéressant. On est sur une navigation complètement en miroir. Donc vous avez d'abord ici les produits femmes, ensuite les produits divided, enfant, home et la foire-fouille. Voilà. Donc vous avez vraiment aussi ça à faire attention quand vous designez pour un site arabophone. Alors sur mobile, j'ai pas inclus de capture d'écran, premièrement parce que je fais ce que je veux, et deuxièmement parce que j'ai pas non plus tant que ça trouvé d'article à ce jour là-dessus. Donc je vous invite, si vous avez quoi que ce soit comme connaissance à me partager, à part avoir mis personnellement mon iPhone en mode arabe, j'ai pas vu non plus de choses à faire parce que toutes les applications ne sont pas passées forcément, toutes les applications pardon, n'ont pas forcément une interface arabophone. Je vais l'évoquer juste là maintenant. Alors l'expérience utilisateur, donc, c'est un enjeu de plus en plus important pour les entreprises et ça se ressent notamment avec de grands lancements qui ont été faits dernièrement. Que ce soit par exemple Facebook, qui avait déjà lancé Facebook tout court, mais qui n'était pas complètement 100% arabo-friendly, mais qui a lancé il y a un an tout pile Facebook Lite, donc sa version adaptée aux pays arabophones comme toutes... Non, d'ailleurs je dis une bêtise, c'est pour les pays en général. T'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Pour tous les pays qui n'ont pas forcément une connexion Internet importante, c'est une application qui est pensée pour ne pas être trop énergivore. Ils ont lancé leur version 100% arabophone. C'est chouette. H&M, on en parlait juste avant, ils ont lancé leur site seulement en octobre dernier. Et enfin, il y a deux semaines, j'ai un coup de bol, Amazon qui a lancé son site apparenté Amazon. Il faut savoir qu'Amazon avait déjà lancé un site qui s'appelait souk.com et ils l'ont du coup... Pourquoi vous rigolez ? Qui a lancé souk.com et qui du coup c'était une version test qui vendait uniquement des bouquins et là ils ont lancé Amazon sous son vrai nom. Et juste à temps pour Ramadan, ce qui n'est pas anodin d'ailleurs parce que du coup Ramadan c'est un peu comme le Black Friday, il y a plein de promotions, donc c'était pile poil le bon temps pour cela. Donc la multiplication des sites elle va engendrer je pense une connaissance qui sera bénéfique pour tous les utilisateurs dans le monde entier. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Le dernier, si jamais vous aviez à designer une interface ou à notamment rencontrer les utilisateurs pour avoir un peu plus de feedback sur parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, je vous invite à regarder directement dans les pays si vous trouvez des agences UX. Par exemple, en Arabie Saoudite, vous avez pléthore d'agences UX qui véhiculent les connaissances, en tout cas en arabe. Et ce sera peut-être beaucoup plus simple parce que je ne l'ai pas évoqué, mais il y a la question de l'intimité dans les pays du Moyen-Orient qui est très importante et une personne arabe ne se sentira pas forcément à l'aise à l'idée de parler de sa façon de naviguer ou de choses personnelles si c'est une personne qu'elle juge étrangère, entre guillemets, sans jugement de valeur, toujours. Donc, faites appel à ces agences en local, ce sera peut-être plus simple pour vous.
En définitive, malgré les contraintes et les problèmes que j'ai évoqués et parce que je vois vos mines complètement défaites, faut-il designer pour les localités et notamment pour les utilisateurs arabes ? Définitivement, oui. Quelques petites recommandations par rapport à ce que je viens de dire avant de partir. Bien plus large que la simple conception d'une interface web, l'UX, ça demande beaucoup de recherche et en cela, pour ce projet, moi j'ai eu un peu un rôle d'anthropologue à essayer de me renseigner sur le pourquoi du comment et toujours le pourquoi qui est votre fondement dans votre raisonnement. Les personas, dans certaines méthodos, vous seriez peut-être amené à faire des personas bien plus que le simple sujet sur l'utilisateur arabophone. Prenez des personas, développez-les et enrichissez-les de leurs différences. Attention aux stéréotypes de genre et de pays. C'est pas parce qu'une personne elle est chinoise qu'elle est forcément geek. Il y a des subtilités évidemment dans chaque personne. On est tous, comme je disais, un algorithme spécifique. Envisager une expérience en prenant en compte son futur. On n'est pas tous Facebook, on n'a pas tous le temps de développer 36 000 interfaces. Donc si jamais vous travaillez sur un produit qui serait amené plus tard, dans quelques années, éventuellement à être lancé dans les pays arabophones, songez-y dès maintenant sur l'importance aussi du travail à faire pour éviter ce travail après. Et enfin, considérez le travail du designer en allant chercher de l'input plus qu'en itérant. Donc ça passe par quoi ? Ça passe du test. Donc tester. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, on va avoir le temps de prendre 3 ou 4 questions. Je commence ici, monsieur. Bonjour. J'ai une toute petite question. Alors, je ne sais pas écrire ni lire l'arabe. Mm-hmm. Mais j'ai bien compris que les lettres étaient de droite à gauche. Mais par contre, pour les chiffres, j'ai noté que le nombre d'utilisateurs, la taille d'un vêtement et le prix affiché étaient écrits comme on le connaît ici en France, oui, dans d'autres pays. Donc, est-ce qu'on peut c'est en parler vite fait de comment on écrit les nombres ? Alors, les nombres ne sont pas inversés. Il y a juste un cas où je suis tombé sur une traduction des chiffres. Je ne pourrais plus citer le nom de la marque. Je ne sais plus. Mais en tout cas, majoritairement, sur toutes les interfaces que j'ai pu constater, on reste sur notre sur une logique internationale de chiffres. D'accord. Voilà. Et sur les prix, c'est pareil. Une autre question ? Bonjour, vous dites que vous avez bossé pour Chanel, donc vous avez dû faire l'interface de leur site pour la zone arabique ? Non, c'est pas moi qui m'en suis chargé, mais par contre, malheureusement, je ne pourrais pas dire plus sur Chanel. Non, c'est confidentiel. Oui, j'arrive. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que sur des sites en France, mais à portée, par exemple, touristique, il serait intéressant que quand on clique sur bouton chinois ou bouton arabe, on ait totalement une autre version, finalement, du site ? Ah bah, clairement, et c'est ce que je prodigue dans ce meet-up, c'est qu'il faut arriver à des nuances d'expérience, et ces nuances, elles passent forcément par la localisation. La question de la localisation, bien avant d'arriver chez Chanel, moi j'ai travaillé aussi, par exemple, pour BNP Paribas, sur cette question-là. Et oui, évidemment qu'on arrive à chaque fois dans un pays sur une langue, mais aussi sur une typologie de navigation. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ouais, non, en fait, après, derrière, c'est une complexité... Vendre au client, lui dire t'as 20% de Chinois qui viennent chez toi, donc il faut que t'aies une autre version du site. Alors comment essayer de mixer les différentes cultures pour pas lui imposer trois versions différentes, quoi. C'est sûr. Après, moi je parlerai d'un point de vue business en balançant des chiffres, c'est-à-dire on observe qu'il y a tant de pourcentage d'utilisateurs qui arrivent sur votre site et qui n'arrivent pas à un processus d'achat. Pourquoi ? Peut-être parce que vous n'avez pas une expérience adaptée pour ces gens-là et qu'ils ne comprennent pas. Donc peut-être qu'en leur proposant, vous pourriez augmenter votre chiffre d'affaires d'autant. C'est ce que je proposerais. Et si c'est compliqué, vous envoyez ça. Et mon numéro de téléphone. Dernière question. Merci pour la conférence, c'était très très intéressant et puis on sent que c'est peut-être pas votre première conférence, on se sent très à l'aise. Donc, si c'est la première. C'est vraiment, bravo. Où est-ce que vous avez trouvé la plupart des infos
que vous nous avez prodigué ce soir. Est-ce qu'il y a des sites spécialisés justement dans l'UX dans d'autres cultures, ouais. D'autres langues ? Alors, j'en parlais en tout début, donc il y a effectivement Medium pour commencer. Je suis tombé sur trois articles intéressants, deux d'une même auteure qui s'appelle Jenny Chen, qui a designé pour différentes compagnies à travers le monde. Et donc, elle parle dans ses articles aussi bien de la façon de concevoir une expérience, aussi bien pour un utilisateur des Pays-Bas, que pour un utilisateur chinois, etc. Et il y avait un petit bloc d'informations sur le Moyen-Orient, donc première piste, j'ai pris ça. Bien plus que cela, après, en fait, c'est simplement aussi... ah oui, pardon, j'ai oublié un truc important. Google a fait sur son site Material Design de recommandation une page entière consacrée justement au principe de mirroring et de reversing. Et bien plus que pour l'internaute arabophone, l'internaute hébraïque est concerné également par ces problématiques-là d'inversion de miroir. Dernièrement, en termes de connaissances, ouais, c'est aussi une déduction en fait. Quand vous comparez une interface, comme je dis, j'ai pris Chanel, j'ai pris Marie Claire, c'est vraiment des projets sur lesquels je suis parti, vous arrivez sur des similitudes et vous arrivez très vite à vous rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et alors, dernière chose, je l'ai dit que c'était pas bien, mais je l'ai quand même fait. J'ai des amis qui sont arabes et qui ont pu me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et notamment Luz Drouet, que je salue, qui me regarde peut-être. Oh, j'ai l'impression d'être sur une chaîne YouTube. qui est UX designer et qui a travaillé en Jordanie. Et qui, justement, a été la première dans mon entourage à pouvoir m'appréhender, m'en dire plus sur ce sujet-là. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais élire la meilleure question de ce soir pour qu'on donne un petit tote bag avec des goodies ? Ouais, je suis partagé. Plouf. Monsieur, parce que j'ai pas pu complètement non plus répondre à la question. Ah, mais elle n'est pas évidente. Parce que tu as été collé. Voilà. Très bien. Merci. Bon, et très bien. On va aérer et changer de speaker. Merci beaucoup. Oui, alors Julien vous a prévu une petite vidéo justement sur. Ouais. C'est parti, justement sur les stéréotypes liés au monde arabe. Voilà. C'est, merci. Tu le prends. Alors bonjour. Bonjour, je suis Léo. Je travaille chez France Télévisions en tant que Design System Manager. Je vous expliquerai ce que c'est lors de la présentation. Je vous expliquerai plus particulièrement ce que c'est qu'un Design System. Ça fait 3 ans que je suis chez France Télévisions et je suis passé de UI à Lead UI / DA pour finir Design System Manager de l'ensemble des produits de France Télévisions, parce que France Télévisions est une entreprise qui a différents
produits ou différents univers, tels que France Info, France TV, la jeunesse ou encore le sport. Non, pas du tout avec le reflet. Oui, d'accord. Alors, je vais parler plus haut. Et là, je crois qu'on est bon. Oui. Et mon acolyte est Clément, qui est UX designer chez France Télévisions, plus particulièrement sur le produit France TV, et qui est là chez France TV depuis... Un an. Et qui était à la base UI, pour France TV Sport. Pour le sport, exactement. Donc bonjour à tous. Enchanté. Donc, après avoir parlé des frontières géographiques, on va maintenant parler des frontières entre les métiers, entre les process qui mêlent les métiers du design et du développement notamment. Donc, pour ça, on va vous raconter la transformation digitale chez France Télévisions pendant ces 3 dernières années. Donc comment on est passé d'un studio qui est isolé, qui est en conflit avec les équipes de développement, à un studio qui est intégré dans le produit et dans les process agiles. Alors, on a cette transformation chez France Télévisions et plus généralement dans les métiers du design. Elle a hérité du changement opéré par l'ère d'industrialisation qui a commencé au début du XXe siècle, c'est-à-dire le Fordisme 1908, qui a largement changé la façon de créer. On est passé de la production artisanale, qui est basée sur le temps, sur la qualité, à une production de masse, qui est basée sur la rapidité et sur la réduction de coûts. Ce Fordisme s'entend à peu près, 100 ans après, vers 2007, sortie de l'iPhone, et ben ça a aussi complètement bouleversé le monde du mobile, le monde d'Internet aussi, et des applications et tout ce qui s'ensuit. Et donc il y a une démultiplication des interfaces sur tous les supports, et ça nous a obligés à rationaliser l'expérience utilisateur, et donc à adapter nos méthodes. Pour nous designers, donc c'est nos process de conception, ça va être nos outils, ça va être aussi le delivery, comment on va pouvoir livrer notre produit. Et on ne peut plus, en tant que designer, aujourd'hui, on ne peut plus travailler comme on le faisait il y a encore quelques années. Donc, on va vous parler du processus agile pour situer, c'est une méthode de travail. Chez France Télévisions, c'est le Scrum, plus exactement, qui est extrêmement répandu pour les feature teams, donc quand on développe un produit digital. Et c'est... voilà, on a, non, mais c'est tout, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui rend la relation entre l'agilité et le design qui est si compliquée, c'est un vrai problème qu'il y avait chez France Télévisions il y a 3 ans. Les designers et les développeurs s'entendaient pas très bien, on est fâchés, quoi. Il y a 3 ans, on est fâchés. Et il y a une explication, c'est quand on passe une certification Scrum, ce que j'ai fait il y a quelques temps, donc, en tant que designer, avec un œil de designer, on ne me parle pas de design. On va me parler d'itération, on va me parler de delivery, on va me parler de tout un tas de process, de rituels, voilà, et on nous parle de dev team, de développement. Donc le design, au sens de conception d'un produit, hein, pas au sens de dessiner ou colorier sur un carnet, ne fait pas partie de l'ADN Scrum. Voilà, on ne nous en parle pas. En revanche, l'objectif, c'est vraiment de délivrer un produit le plus rapidement possible. Donc si on part de cette interprétation, ce que font beaucoup de designers, voilà, et pas mal de développeurs aussi, c'est très compliqué pour lier les deux mondes. Donc on se retrouve avec deux philosophies qui sont très contraires. On va avoir, par exemple, à gauche, une équipe de dev très agile, hein, très itérative, qui est basée sur la réactivité et qui ne prend pas trop le temps de se poser, de réfléchir. Et puis à droite, on a un designer qui, lui, passe des plombes à essayer de concevoir son interface, qui essaie d'atteindre la Lune par un chemin qui, de toute évidence, n'est pas le bon. C'est comme ça qu'on peut percevoir le travail quand on est designer, c'est avec l'agilité.
En fait, non. C'est pas vraiment comme ça. C'est pas aussi incompatible que ça. Une vraie team, une vraie dev team en Scrum, il y a trois rôles. Il y a un PO qui a la vision produit. Il y a un Scrum Master, je vous fais en très gros, hein. Le Scrum Master qui s'assure que l'équipe et que les méthodes Scrum est bien appliquées au sein de l'équipe. Et il y a la dev team. En France, la dev team, on a tendance à la traduire assez littéralement et nous la traduire en disant une dev team, une development team, c'est une team de développeurs. Et on entend souvent par développeur codeur. En fait, c'est pas du tout ça. En Scrum, la définition d'une dev team, c'est une équipe produit qui est pluridisciplinaire et qui a absolument toutes les compétences pour créer et délivrer le produit. Donc les designers en font partie, puisque on peut faire un site qu'avec des développeurs, certes, mais il sera peut-être un peu moins beau. Et on peut faire un site qu'avec des designers, mais il marchera sûrement pas. Voilà. Donc, en partant de cette définition, forcément, le designer, c'est un développeur comme un autre. C'est vraiment la base. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, d'abord pour les designers, puisqu'ils ne le savent pas. Et ça ne fait pas tout, en revanche. Ça ne fait pas tout, parce que pour s'inscrire aussi dans l'agilité, il y a des process. Et il y a quelques années, et donc c'était le cas il y a 3 ans chez France Télévisions, on utilisait Photoshop et Illustrator. Et il y a pas mal de designers, je pense, dans la salle. Vous savez à quel point c'est facile de designer 25 écrans avec Photoshop et de sortir encore plus d'assets. Donc, pour être agile, quand on est designer et qu'on n'a pas les bons outils, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'était la base. À France Télévisions, ça ne marchait pas parce qu'on n'avait pas les bonnes définitions, on n'était pas aligné et on n'avait pas les bons outils. Heureusement, il y a des nouveaux outils. Alors en fait, il y a 3 ans, chez France Télévisions, quand on a designé France Info, le site France Info, au lancement de la plateforme 360, on s'est rendu compte que c'était très lourd, comme Clément le disait, de designer 25 écrans sous Photoshop, de faire les kits UI, et puis en fait d'essayer de s'insérer complètement dans un processus agile et de suivre en fait... les itérations, de suivre le processus des développeurs, des PO, et puis d'essayer de garder le train en marche. Et ce n'était pas du tout possible, on était beaucoup plus en réaction qu'en action, c'est-à-dire qu'on était beaucoup moins dans la partie cadrage, beaucoup moins dans la partie conception, et une fois qu'on a pris conscience en fait, qu'une grande partie du problème était nos outils, parce qu'en fait on n'avait jamais le temps de produire, quand on était en production, on mettait trop de temps de production, et donc du coup on n'avait pas du tout de temps de conception, on a décidé de faire énormément de recherches. On s'est aperçu qu'il y avait Sketch, qu'il y avait XD, Figma, enfin plus tard Figma, mais il y avait plusieurs outils qui émergeaient et qui nous permettaient en fait de faciliter et d'avoir réellement en fait des solutions qui étaient là pour designer des interfaces. C'est-à-dire que Photoshop est bien un outil qui permet de designer du bitmap, qui n'est pas un outil qui nous permet de designer du vectoriel. Et quand bien même Illustrator le fait, ce n'est pas fait pour designer des interfaces. Ça n'a pas de fluidité, ça rame à l'ouverture, c'est super lourd comme fichier, et on n'avait pas du tout les bons process. En plus de ça, on n'avait rien de collaboratif, on n'avait pas de workflow avec un Dropbox ou quoi que ce soit, donc on était vraiment dans une itération par mail. Enfin, c'était vraiment très, très douloureux. Et du coup... En recherchant et en essayant, en testant, en poquant, en itérant, on a essayé de se renseigner sur Sketch. On a commencé à acheter des licences Sketch, à designer sur Sketch. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste une autoroute. Que le fait de faire un écran mobile qui faisait 125 MO, on pouvait en faire 5, 6, 10 sur la même page. Et ça ne nous faisait que 10 MO ou 20 MO ou 30 MO sur un même fichier. Il existait aussi d'autres outils qui pouvaient nous permettre de faire différentes choses, comme Zeppelin, qui nous permettait en fait d'exporter réellement et plus de s'embêter à faire des kits UI sur Illustrator et puis de devoir les remodifier une fois que on s'était aperçu qu'on avait fait une erreur ou que le développeur avait modifié quelque chose. Et donc du coup, on gagnait énormément de temps. La seule problématique liée à ça, c'est que au fur et à mesure des années, on voit que
on a de plus en plus d'outils qui commencent à s'intéresser à de plus en plus de parties d'un designer, c'est-à-dire que on a des outils qui au début étaient spécialisés dans le design d'interface, puis dans le d'autres dans le prototypage et d'autres dans le end-off, et de plus en plus certains se sont mis à tout faire. Et en fait, on ne savait plus où mettre la tête, on ne savait plus, en poquant, en itérant et en essayant de trouver les meilleurs outils possibles, on ne savait plus réellement quoi faire. Les contraintes du studio, en fait, qui ont été principalement montrées, en fait, c'est que le fait d'être réellement assimilé à Sketch, le fait d'être bien en place, intégré, et d'avoir une solution qui nous permette en fait de tourner sous Dropbox, de pouvoir itérer avec les PO, notamment via Sketch ou via Slack ou via Trello ou via Jira, et puis de pouvoir transmettre notre travail sur Zeppelin, c'était un vrai bénéfice. Mais le fait de pouvoir avoir, d'avoir encore d'autres outils qui nous permettent de faire la même chose et de tester continuellement, on ne savait pas trop où donner de la tête. Donc du coup, ce qui fait que ça a donné en fait un designer en 2015 et un designer en 2018 qui avait en 2015 trois outils qui étaient relativement spécialisés pour faire un job en particulier, et un designer en 2018 qui avait énormément d'outils spécialisés pour faire beaucoup de choses. Alors beaucoup de choses, on avait gagné du temps pour pouvoir faire de la conception, on avait gagné du temps pour pouvoir faire du prototypage, on avait gagné du temps pour faire plein de choses, on avait trouvé des solutions de versionning avec Abstract, on avait trouvé des solutions de partage, on avait tous trouvé plein de solutions. Oui ? Dis-moi. C'est Trello. Trello, c'est un outil de ticketing comme Jira qui permet en fait de... Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, un PO nous donnait l'information de ce qu'il y avait à faire sur Trello, nous donnait les indications. Et donc du coup, on se mettait à designer et puis on redonnait l'information au PO, puis aux développeurs sur Trello. Et vous pensez pas que justement d'avoir tellement d'outils, ça complique les choses, parce qu'en plus, il y a beaucoup de similarités. Alors justement, c'est ce que j'explique. C'est que le fait en 2015 d'avoir peu d'outils était contraignant parce que en fait, les outils étaient lourds, n'étaient pas adaptés du tout à designer de l'interface. Et en 2018, on avait plein d'outils spécialisés dans plein de choses, mais on en avait beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on ne savait plus où donner de la tête. Et donc, du coup, ça nous a apporté des contraintes qui étaient quand même... On a quand même vu émerger des contraintes par rapport à ce phénomène-là, qui était le fait de travailler en solo, mais sur Mac. C'est-à-dire que le fait d'être sur Sketch nous permettait de travailler... uniquement en solo, mais sur Mac. Quand je dis en solo, c'est-à-dire que on pouvait se partager les fichiers, mais on pouvait pas être plusieurs sur le même fichier, à la Google Sheets ou à la Google Docs, comme on a l'habitude de faire quand on veut être plusieurs à écrire quelque chose ou partager son travail. On avait une problématique de versionning très lourde, puisque même sur Dropbox, on était obligé de dupliquer nos fichiers pour essayer de toujours garder la version précédente et toujours garder notre travail afin de pouvoir avoir un historique et trouver les meilleures solutions de design. Que je ne me trompe pas, excusez-moi. On avait une absence de membership, c'est-à-dire que en ayant travaillé sur Sketch, en ayant monté un workflow sur Sketch qui permettait de travailler en librairie, qui permettait de travailler en collaboration en fait, sur le fait de pouvoir aller chercher des assets et travailler en interface, on avait trouvé une solution de pseudo-coworking sur une partie des éléments de design. Mais tout le monde pouvait accéder à la librairie, donc tout le monde pouvait toucher la librairie, donc tout le monde pouvait modifier les éléments. Et ça, c'était un problème, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de membership prédéfini. On avait une duplication des licences, puisque comme on l'a indiqué juste avant, il y avait beaucoup de soft, donc beaucoup de licences. Et on avait tous des processus différents, c'est-à-dire qu'en venant de teams et de produits et d'univers différents au sein de France Télévisions, on était dans des feature teams qui n'avaient pas les mêmes processus de travail, puisque les PO n'étaient pas les mêmes, puisque les managers n'étaient pas les mêmes. Et donc, du coup, il fallait à chaque fois se réadapter au processus de travail. Et donc, la solution qui a été trouvée,
C'est Figma. Je ne sais pas si vous connaissez tous Figma, qui est un outil de design sensiblement comme Sketch, a une différence près, c'est qu'il répondait à toutes nos contraintes dans le studio. Déjà, la première, la plus importante, c'est que Figma permet une collaboration live et cross-platform. Cross-platform, parce que c'est sur navigateur. Il y a des applications, mais c'est juste une web view en réalité. Mais donc, on peut travailler sur n'importe quelle maquette, sur n'importe quel design, depuis Chrome, ce qu'on veut, donc forcément depuis n'importe quel OS également. Et collaboration live, parce que, à la manière d'un Google Doc, on peut avoir plusieurs designers qui sont sur la même maquette, en même temps, et qui peuvent gérer l'un le header, l'autre le footer. Voilà. Chose qui est évidemment impossible avec Sketch ou tous les autres outils d'ailleurs de design aujourd'hui, puisqu'il faut se passer les fichiers. On a le versioning qui est poussé, puisque c'est en ligne. Donc toutes les versions qui sont créées sont enregistrées régulièrement. On a le membership, donc là cette fois on peut choisir qui est lead, qui ne l'est pas, qui a accès à tel fichier, qui ne l'est pas, ce qui permet d'organiser le studio et de mieux gérer les rôles de chacun. On a une seule licence pour un designer, parce que ce que fait Figma, c'est aussi du prototypage, c'est aussi du end-off. Donc ça va remplacer, comme ça fait versioning, en gros ça va faire le travail de 5 logiciels, voire 6 en même temps. On a un process qui est partagé, comme tout le monde travaille en même temps sur le même fichier, on a été obligé de créer des process que tout le monde doit absolument gérer et connaître et respecter. Et enfin la communication, puisque il y a un outil de commentaires, on va pouvoir échanger directement sur les maquettes, pas que entre designers, avec les développeurs également, avec des PO, n'importe qui a accès à ces maquettes peut ensuite mettre son commentaire et discuter. Du coup, ce que ça a changé énormément, c'est que Figma, en un seul outil, on va partir du besoin jusqu'au delivery, en passant absolument par toutes les étapes, avec uniquement lui. Ça nous a fait réorganiser le studio. Avant, on était isolés, on était hors chambre, donc on était à notre étage, dans notre coin, et on balançait des maquettes. Maintenant, on a tout revu, on s'est intégré dans les équipes, donc les leads UX et UI sont avec des PM, des product managers dans les produits, les UX et les UI sont avec les product owners, avec les devs également. Voilà. Ça nous a permis de tout repenser et de mieux s'organiser. Du coup, puisqu'une démo vaut mieux que des mots, n'est-ce pas ? Exactement. On va vous montrer à quoi ça ressemble concrètement, puisque pour les designers, ce sera beaucoup plus parlant. Non, c'est bien ça que je veux faire. Chut, tac. Ok. Donc ça, c'est l'interface de Figma. Hein. Je suis dans Chrome. Donc j'y ai accès n'importe quand. J'ai créé mon wireframe de je ne sais trop quelle page mobile de France.tv. Et donc, quand moi j'ai terminé, je vais pouvoir dire à Léo, c'est bon, mon wireframe est fini, tu vas pouvoir travailler dessus. Tout l'intérêt, vas-y. Ok, alors, une fois que le wireframe est fini, moi je peux venir intervenir directement. Hop, je vais essayer de me maintenir. Pourquoi évidemment ça ne marche pas quand ça marchait ? Le micro, juste avant, ça fonctionnait. Ah oui ? Bien évidemment, on a un petit effet démo. Sinon, c'est pas drôle. Je ne sais pas bon du tout. Wi-Fi. Hop, et voilà, c'est bon. Alors, du coup, une fois que Clément a fait sa maquette UX, moi, en tant que designer UI, j'ai juste à me dire, voilà, je sais à peu près ce qu'il veut. Je vais venir dupliquer sa maquette et puis je vais me concentrer sur un élément en particulier. Hop, j'ai dupliqué sa maquette. Je viens supprimer ce qui ne va pas forcément m'intéresser. Moi, je peux le surveiller. Hop, je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas. Et puis, je vais me concentrer là-dessus. Je me rends compte que, par exemple, le picto, on va commencer par ici. La typo, c'est pas forcément la bonne. On a une typo particulière chez France Télé. Hop, je viens l'appliquer. Hop.
Donc, je viens appliquer les bonnes typos. Je viens mettre le bon icône. Hop, parce que j'ai déjà implémenté ma librairie de base de designer avec lesquels on travaille. Et tu peux aller dans la page asset pour montrer à peu près la librairie. Voilà, parce qu'on ne voit pas ce que je fais réellement sur la gauche. Et donc, du coup, je viens implémenter directement mon icône qui est le même pour tous les designers. Et si jamais je le change, il est changé sur toutes les maquettes. Je viens le mettre à la bonne couleur. Et puis, bien évidemment, ici, le fil, c'est pas le bon fil. C'est pas. Donc, si je le surveille, si je le surveille et que j'ai mes commentaires, je peux écrire n'importe quoi. Hein. Voilà. Hop. Je peux lui mettre son commentaire. Lui, il va le voir directement. Hop, je peux même. Évidemment, supprimer ce qu'il fait si je trouve que c'est nul. C'est super sympa, mais du coup, je peux plus rien c'est faire. C'est principalement pour ça qu'on utilise Figma. Si, je peux faire pomme Z, je peux faire des pommes Z. Alors, la personne me demandait si j'avais la main sur ce qu'il fait. Alors oui, je peux faire des pommes Z, je peux comprendre un peu ce qu'il fait, mais je peux toujours retrouver mon travail. Mais c'est de la collaboration, donc on est quand même dans une histoire de respect de ce que fait l'autre. On a du versionning. On a toujours une histoire de versionning, c'est-à-dire qu'on a un historique complet de ce qu'on fait, de toutes les tâches qu'on fait. Si on a payé, bien évidemment, une licence, on a accès à tout ce qu'on a fait depuis le début de la création de la maquette. Donc c'est pas du tout un problème. Ici, il m'a dit que c'était pas que c'était pas sur France 4, mais que c'était sur France 3. Et bien évidemment, il se trompe parce que j'ai mis tout le monde veut prendre sa place et tout le monde sait que c'est sur France 2. Et donc du coup, je vais mettre ça sur France 2. Désolé, je kiffe cette émission. Mais je ne regarde pas la télé. Et donc du coup, voilà. Donc j'ai designé un élément. Une fois que j'ai designé mon élément, et une fois que vous avez bien tout préparé, puisque là par exemple, j'ai juste designé un élément, mais j'en ai pas créé un composant. Composant, ce qui pourrait être la même chose qu'un symbole sous Sketch. Une fois que j'en ai créé un composant, en fait, il vient s'ajouter dans cette librairie d'assets qui est beaucoup plus visuelle que Sketch d'ailleurs, parce qu'on peut tout de suite voir quels sont les éléments qui sont présents sur la page, et puis je peux venir drag and dropper un élément plus particulièrement qu'un autre, me dire que bon, voilà, en dessous c'est des tunnels vidéo que je veux avoir, j'en veux pas un mais j'en veux trois, hop, et à l'intérieur je vais pouvoir modifier comme n'importe quel override qu'on pourrait retrouver sous Sketch, le titre, les éléments, etc. Donc par exemple ici ce seront des séries, je pourrais modifier les pictos, je pourrais modifier les images, je pourrais tout modifier. En fait là je vais pas vous le faire parce que ça sert, il n'y a pas un grand intérêt. Non. Merci Siri. En fait c'est pour vous expliquer en fait que si vous avez bien construit votre librairie, ça ne vous changera jamais l'asset master, mais ça vous changera toujours ce que vous souhaitez designer, et puis vous pouvez créer une page réellement en deux temps trois mouvements, puisque c'est les éléments que tout le monde peut retrouver, et que vous pouvez créer des dizaines et des dizaines de pages avec les éléments qui sont homogènes pour toute l'expérience de l'utilisateur. C'est une voilà. Démo qui est hyper, hyper rapide, ouais, mais on a tout le prototypage de Figma ici qui nous permet de faire des maquettes un peu interactives. On a une partie qui est pour les devs, donc quand ils prennent un élément. Est-ce que vous connaissez Zeppelin ou pas ? Ils vont avoir le code directement. On n'a pas besoin, ils peuvent exporter exactement comme ils veulent chacun des éléments. Dans Figma, on est vraiment sur toute la chaîne, du début jusqu'à la fin. Zeppelin fait la même chose. Voilà, ça nous a vachement aidé. Excuse-moi, tout à l'heure, tu parlais de communication. À part donc, le système de notes, est-ce que tu as de l'IM intégré ou pas, ce truc-là ? Non, en fait, on est toujours sur un système de ticketing sur Trello ou sur Jira, au niveau de la demande PO et sur la retransmission d'informations au niveau du workflow et du process, on est toujours sur une histoire de ticketing. Par contre, beaucoup de retours se font sur Figma, puisqu'en fait, tout l'intérêt d'une maquette, une fois qu'elle est plus ou moins finalisée ou déjà à partir du moment UX, elle est sur Figma, donc les personnes peuvent commenter directement dessus. On est un peu dans le timing. On passe à la suite. La suite, c'est moi. Et donc, du coup, je viens aussi vous présenter
plus ou moins en avant-première puisque c'est un projet qui n'est pas encore sorti. C'est un projet sur lequel j'ai le droit de montrer certaines maquettes, j'ai le droit de montrer certaines choses, mais j'ai surtout expliqué mon travail, ce que c'est qu'un design system et pourquoi on a monté un chez France Télévisions. France Télévisions est en fait un produit multi-produit. Et donc du coup, par souci d'homogénéisation et par souci de respect de chartes, de partage et de collaboration, on a besoin d'un endroit où le designer, codeur, PO, mais aussi agence, et puis qui veut dans le web, ou vous, enfin qui souhaite retrouver des informations sur France Télévisions au niveau des assets et au niveau de l'interface, et puis de l'identité de France Télévisions, puisse retrouver des ressources, des guidelines pour pouvoir concevoir ou imaginer des plateformes digitales. Et donc, c'est pas passé. Ah, ça va passer. Donc voilà, je viens vous présenter Galaxy. Galaxy, en fait, est un design system. C'est principalement trois grandes typologies d'éléments. En tout cas, nous, on a ressourcé trois grandes typologies d'éléments dans notre design system. Premièrement, des design principles. Alors, des design principles, c'est quoi ? C'est des grandes valeurs, comme celle-ci. Nous assurons la cohérence de l'expérience, qui s'opposent forcément à une autre valeur. Par exemple, là, celle-ci va s'opposer au fait de se dire on n'est pas cohérent, mais plutôt au fait de se dire chaque expérience est unique et différente dans tous nos univers. Là, on va plus se dire on retrouve France Télévisions dans chacun de nos univers et on retrouve la marque France Télévisions ou l'univers France Télévisions jusque dans les univers qui sont vraiment distincts, comme France Info va être réellement distinct de Zouzou ou de Ludo, qui sont des expériences pour les enfants. Enfin, des interfaces pour les enfants. Deuxième typologie d'éléments, vous avez retrouvé des éléments de chartes graphiques, comme, et donc voici une première maquette de Galaxy, des éléments de chartes graphiques comme des logos, comment est-ce que fonctionne un logo, comment est-ce qu'il va vivre dans une interface clair, sombre, avec des do's, des don'ts, les marges de sécurité, etc. En fait, des choses que vous connaissez, c'est des éléments de charte classiques, mais aussi des guidelines d'intention. Alors, qu'est-ce que je veux dire par des guidelines d'intention ? C'est-à-dire que quand on crée des univers et des interfaces, il y a des moments où en fait, on crée des éléments où on va avoir une banque d'assets, comme des icônes, mais potentiellement, on va avoir besoin d'en créer plus. Et donc, du coup, il faut donner des règles et des éléments pour guider les designers à pouvoir procréer et continuer ces assets d'icônes. Et donc, du coup, sur la gauche, vous pouvez voir une guideline d'intention qui est graphique, avec au milieu les éléments d'assets qui sortent de la librairie des designers de France Télévisions. Et sur la droite, vous allez avoir des guidelines qui sont plus particulières, qui sont des guidelines spécifiques aux développeurs. Et c'est tout aussi important que des guidelines spécifiques aux designers, puisqu'en fait, le design, c'est de la conception, mais le développement aussi, c'est de la conception, puisqu'en fait, pour pouvoir avoir une interface, il faut d'abord concevoir son socle. Et donc, du coup, il faut définir son socle. Et la troisième typologie d'éléments, c'est ce que vous allez retrouver plus particulièrement sur tous les design systems, c'est les composants d'interface. Et un composant d'interface, eh bien, ça peut être par exemple un bouton. Un bouton, on va le définir par sa taille, par sa couleur, par ses lignes de code, justement, sur lesquelles on va pouvoir récupérer des lignes de code pour pouvoir les implémenter dans toutes les différentes interfaces. Alors, le bouton est un très bon exemple d'homogénéisation d'interface chez France Télévisions, puisque on croit qu'il n'y a pas besoin de 10 000 boutons chez France Télévisions, comme il n'y a pas besoin de 10 000 icônes. Parce que dans l'expérience, on a besoin de reconnaître France Télévisions par rapport au plus petit fine-tuning que l'on a. Et donc, du coup, on va permettre à la personne de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et puis détailler un peu chaque état du bouton avec le bouton en défaut, disable, over, on-click, etc., etc. Et puis lui laisser un espace où il peut s'amuser avec en essayant le bouton, tout simplement. C'est une charte graphique digitale, mais en perpétuelle évolution. La particularité du design system, en tout cas chez France Télévisions, c'est qu'on essaye de le rendre vivant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le rendre vivant ? C'est-à-dire qu'on essaye de dépasser la barrière design to code et d'implémenter le code directement dedans. Et de pouvoir, en fait, une fois que l'élément est designé et codé,
si jamais on change son CSS, il va se changer automatiquement partout sur tous les sites de France Télévisions. C'est-à-dire qu'on a mis dans la charte et puis sur tous les sites de France Télévisions. C'est-à-dire que si demain on décide que le bouton n'est plus arrondi mais carré et que c'est valable pour tout France Télévisions, on va changer son CSS à la base et il va se changer sur tous les sites, sur tous les sites internet. Oui. D'accord, désolé. Alors, et donc du coup, en fait, pour conclure, une transformation, c'est l'aboutissement, si vous voulez, le design system, c'est l'aboutissement d'une transformation digitale, en tout cas de design, plus particulièrement de design, intégré à une équipe agile et intégré en fait au processus de création et de conception d'interface digitale chez France Télévisions en 3 ans. Et donc, ce qu'il y a réellement à retenir, c'est que des designers intégrés dans des équipes de Scrum, c'est des outils adaptés. Pas que, c'est beaucoup de communication. C'est beaucoup de communication avec les PO, c'est beaucoup de communication avec les développeurs. On n'enlève jamais cette barrière-là. Mais ça passe notamment quand même par choisir les bons outils et en fait bien connaître ses contraintes. Figma, c'est notre solution à nous. Enfin, c'est la solution qu'on a définie comme étant la bonne chez France Télévisions. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne pour tout le monde. Il y en a qui utilisent InVision, il y en a qui continuent à utiliser Sketch et d'autres Photoshop. Hein. Hop, pardon. Axure, je pense que ça existe encore, je pense qu'ils font encore des choses. Je ne sais pas où ils en sont. voilà, c'est aussi la nécessité de responsabilité pour les designers de collaborer et de communiquer, donc c'est ce que j'expliquais. Parce qu'en fait, on en parle peu, et du coup, on parle peu des designers au sein des équipes agiles, au sein de l'agilité, même dans l'ADN de l'agilité, comme le disait Clément tout à l'heure. Mais du coup, communiquer, c'est l'essence même de ce qu'on fait. Et si on n'arrive pas à trouver le temps, nous, de concevoir, il faut qu'on dégage du temps pour convaincre et expliquer qu'il faut communiquer. Et du coup, le dernier point, c'était ne pas avoir peur de challenger et d'améliorer constamment ses process. Je dis ça parce qu'en fait, on a été constamment en recherche et développement chez France Télévisions. J'ai eu une bonne partie de challenge avec Michael Bayens, qui est le lead UX chez France Télévisions, sur ce point-là. Et en fait, on a décidé de tout raser à un moment donné, de tout raser Photoshop et de dire on se passe sous Sketch. Et à un autre moment, on a dit on rase tout et on passe sous Figma. Et ça s'est passé en janvier. Ouais. Voilà. Et on est en mai. Et tout va bien. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des choix. Il faut juste identifier pourquoi on les fait et continuer à communiquer avec tout le monde et vraiment évangéliser. Voilà. Merci. Merci. Du coup, on va prendre 3 questions. Il y en a déjà 2. Alors, bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question pour Galaxy. Est-ce que vous avez une date officielle à quand ça va sortir? Parce qu'actuellement, on en parle beaucoup à moins de partager les données et partager les informations. Alors, ok. Galaxy, il n'y a pas réellement de date officielle de sortie parce qu'on est encore sur une phase de conception des principaux. En fait, on est encore en phase d'atelier sur beaucoup d'éléments d'identification de l'identité de France Télévisions, de France TV au global et de chacun de ses produits et qu'il y a énormément de jalons structurants sur les premières briques à implémenter. Et on a déjà bien avancé sur le sujet, mais on n'a pas réellement de date. Merci. Parce que juste au-delà des éléments graphiques, ce qu'on disait par exemple pour les design principles, il y a aussi les tone of voice. Donc c'est une partie qui est plus philosophique. Entre guillemets, voilà, comment on parle à l'utilisateur, comment est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le tutoie, et en fait tout ça, ça prend énormément de temps, surtout chez France Télévisions, en tout cas des gros groupes comme ça. C'est très politique. C'est très politique, ça. Voilà, donc ça, c'est pas juste de la production d'assets, c'est aussi une vraie réflexion sur qui on est, en fait. Voilà, et donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Moi, je... Ouais. bonsoir, merci hein, pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question, du coup, en termes de relationnel et d'échange, parce que, du coup, j'imagine que vous continuez à faire des réunions, à vous parler, que le fait de pouvoir intégrer les commentaires directement dans l'outil n'enlève pas ce côté, on va dire, contact direct. Non, faut pas. Non, si on coupe le contact direct, ça marchera plus du tout. Okay. Les commentaires, ils sont hyper bien parce que comme maintenant, au lieu d'être un studio, comme je disais, isolé au 3e étage et de plus parler aux développeurs, maintenant les designers sont vraiment intégrés dans chaque feature team.
Donc on a moins l'occasion d'être tous ensemble. Donc les commentaires ont un vrai rôle à jouer là-dedans pour pouvoir facilement se parler. Mais il faudra toujours prendre le temps, une, deux, trois fois par semaine, pour faire un point. Et ça, faut pas l'enlever, parce que sinon... Mais il faut pas déshumaniser le... Ah non. Et on se dit beaucoup plus de choses en face à face qu'avec un commentaire de 30 carrières. Et vous avez été accompagné par un cabinet en conseil sur... Non. Non, non, on a pensé ça tout seul. Clément est un consultant du X République. Oui. Voilà. Ouais. Donc c'est des entreprises aussi où il y a des consultants qui font de l'UX et de la gestion de projets et qui infusent du coup les différentes méthodologies. Dernière question. Merci pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant. Moi, je suis intriguée par le dernier point concernant le fait que vous avez fait table rase des softwares qu'utilisaient par exemple les web designers, etc. Comment vous avez fait pour arriver à utiliser alors, vous avez fait des ateliers de démonstration, vous avez montré plusieurs softwares. Comment vous y êtes pris? Parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors, en fait, il y a une énorme partie d'évangélisation. Parce qu'avant prendre la décision de tout couper, déjà, premièrement, il faut convaincre non pas seulement les designers, mais aussi la hiérarchie de pourquoi on le fait. Parce que ça a un coût, ça implique beaucoup de choses. Alors, pour Figma, par exemple, ça a été, concernant la hiérarchie, ça a été relativement facile, puisqu'en fait, on a dédupliqué le nombre de licences, donc on a dédupliqué le nombre de... Enfin, plein de choses, plein de problématiques. Mais en tout cas, concernant les designers, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà prouvé par A plus B, un, le temps de conception. On a prouvé par A plus B le poids des fichiers, la rapidité de collaboration. C'est-à-dire qu'on a fait énormément de cafés du numérique, dans lesquels toute l'entreprise pouvait venir voir comment on faisait, comment on designait. Et on a fait un peu comme ce qu'on vous a présenté là au niveau de la démo, sauf qu'on l'a fait pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc là, on l'a fait en cinq minutes. On n'a pas pu vous montrer grand-chose, mais on prenait vraiment le temps d'expliquer comment est-ce qu'on designait, comment est-ce qu'on prenait le temps de designer une interface et quels avantages on en avait à changer d'éléments. Donc on faisait par exemple une première partie sur Photoshop pour montrer déjà rien que l'ouverture de Photoshop combien de temps ça prenait et l'ouverture de Sketch combien de temps ça prenait. On montrait des screenshots de poids d'interface de Photoshop et d'interface de Sketch. Et puis tout simplement en fait en designant, ça a son effet waouh de faire des présentations comme ça parce qu'en fait... les gens se rendent vraiment compte qu'on est beaucoup plus rapide, que c'est beaucoup plus performant. Alors au début, il a fallu convaincre parce que c'était un vrai changement, parce que il a fallu quand même qu'on garde Photoshop et Illustrator et qu'on rajoute Sketch, etc., etc. Parce que Photoshop et Illustrator sont aussi utilisés dans une grande partie du studio qui est l'artwork, qui s'occupe de la conception graphique de tous les visuels que vous voyez, notamment sur France.tv, et qui nous pousse à cliquer sur justement la dernière série Zone Blanche ou juste les visuels qu'on vous a présentés pour aller sur n'oubliez pas les paroles. Ne touchez pas aux paroles, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. La meilleure question. La meilleure question. C'est pas vous qui choisissez. La meilleure question. Ah, je suis mauvais pour ces choses-là. La meilleure question. C'est un peu, c'est toujours la colle de fin d'intervention quand même. Hein. Pourtant, vous savez. Personnellement, j'ai bien aimé la question sur. Mais c'était une question qui n'était pas à la fin. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Oui. Oui. Ouais. C'est la question sur comment est-ce qu'on a, on réussissait toujours à. Ah merci, elle était à la fin. Je suis désolé. Est-ce qu'on réussissait toujours à collaborer et à communiquer ensemble, même si on utilisait des... Oui, donc la question sur la communication, bien sûr, les outils, les process, exactement. Ça ne remplace pas le fait de discuter avec des êtres humains. Exactement. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on se retrouve juste là pour manger des pizzas. Il y a des pizzas végétariennes et il y a des pizzas jambon, fromage, champignons, tout ça, quoi.